Après, dañuy ñëw fii rek pour ci cadre organisation de la deuxième édition de la nuit de l'émergence, ñëw fii pour ñaaxaat jigéenu Thiès, jigéenu Benno, ñi nga xam ne ñoo ànd ak président de la République, président Macky Sall, ñu gën leen a ñaaxaat, gën a teg suñu bët ci li nga xam ne moom la ñu liggéey fii ci ray région bi. Loolu moo waral suñu ñëw ci Itewaay fii ñun toutes les femmes de Benno. Ndax da ngeen jot seen naatango yi nekk fii ci biir diwaan Thiès dañu deful liggéey boobu wala? Dañu deful liggéey. Dañu deful liggéey wane li président liggéey. Ok, waaye nag loo wóolu wóolu sa at bu tee rek nga ñaaxaat. Xam nañ ne ñu ngi liggéey teg nañ ci suñu bët. Xam nga dañu mos a gagné région bi, gagné département bi. Y avait des problèmes au niveau de la commune. Waaye léegi wóor nañu ci kattan yàlla que léegi la commune de Thiès est entre les mains de la coalition Benno. Ça on a loolu lu ñu wóor. Waaye loolu xam nga ñun xuus dawaluñu, dafañoo daw. Waa les femmes de Benno loolu yëngalu leen. Téeméeri candidat sax fii du tee ñu yëkkati drapeau président de la République incha allah au premier tour fii ci Thiès ci commune de Thiès incha allah. léegi nag ci liggéey boobu ñu ngi rafetlu wax daa ko sànq jigéenu Thiès ni ñu àndee ànd nekk benn ba pare jiital ki nga xam ne ba dara dul dara ba kenn nanguwul ci Thiès muy Adja Seyna bu Njëgen di doomu dëkk bi di doomu nu mu tudd ci Thiès di doomu Sëriñ ba fi dara dul dara moom ci këram lañ daan dem moo ñu da moom moo samp président de la République ci région de Thiès. Donc ñu ngi koy remercier ci liggéey bi mu liggéey ak ci li ko ni mu fexe ba jigéenu Thiès yëpp jigéenu Benno yëpp ànd ak moom joxante loxo di liggéey jëm kanam pour la réélection de monsieur le président de la République. Voilà yéen a ngi doon tàllal loxo président koy wax yéen ci gën a Benno. Xanaa ñu ngi koy tàllal suñu loxo rek di ko wax ne ñu ngi koy invité ci suñu soirée bu mu ñëw ndax mu seet bu gisee lii comme Thiès a ko ñor bu dee Thiès a ko ñor bu ñëwee gis li président de la République def ci région de Thiès defe naa ne dina ñëw topp ci ginnaaw président ñu gën a liggéey Thiès gën a jeex. Loolu jeex na loolu jeex na loolu li tubaab naan c' est de l' histoire ancienne suñu ginnaaw la topp ñun léegi góor ñee jigéen ñee ñëpp ci Benno benn objectif rek lañu am muy président de la République réélise au premier tour en 2019 incha allah au la main. Loolu moo am solo ñëpp xam nañ ko ñëpp comprendre nañ ko ba góor ak jigéen ñëpp joxante nañ loxo kooku moom c' est de l' histoire ancienne am li mu liggéey sax moom lañ leen di won preuve bi lañ leen di won sax di bu soobee cohésion de toutes les femmes de Benno. nous sommes rassurés que la commune de Thiès est dans l'escarcelle et avec le président Macky Sall et que nous allons gagner la main haut la main la commune de Thiès désormais. Je voudrais d'abord remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cohésion, la détermination, le travail accompli par les femmes de Benno. Benno, la mouvance du président de la République, qui abat un travail remarquable à Thiès et qui déroule, vous le savez, je crois que je vais le répéter ici pour que nul n'en ignore, dans 3 jours, nous allons ici organiser la nuit de l'émergence afin de mettre en exergue toutes les réalisations dans la région de Thiès de monsieur le président de la République. Nous invitons tout le monde, la mouvance présidentielle est déjà debout, mais tout le monde, pour que nul n'en ignore, même Idrissa Seck, s'il ne vient pas à la cérémonie, il verra à la télévision en direct les réalisations de monsieur le président de la République dans la région de Thiès. Je l'espère qu'il est convaincu. En tout cas, le peuple sénégalais est convaincu parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de démontrer. Ce que le président a réalisé, je vais vous laisser un peu sur votre faim par rapport à ces réalisations. Et samedi, vous le verrez tous. Ceux qui ne le savaient pas, ceux qui le savent, seront confortés dans leurs convictions et ceux qui ne le savaient pas vont l'apprendre parce que ce sera en direct dans plusieurs télévisions. En continuant le travail sur le terrain qu'elles sont en train de mener ici à Thiès, comme partout ailleurs au Sénégal.
le sable de Bernard-Jean-Pierre. Peut-être que ça pose des problèmes, mettez ça au passé. Ah oui. Mais nous parlons au présent, nous sommes dans l'action. Actuellement, toutes les femmes de la coalition Bernon sont unies comme un seul homme, je vous le dis, debout, comme un seul homme, pour réélire M. le Président de la République en 2019 au premier tour. Il n'y a plus de problème. En faisant donc une démonstration à la télé, en direct et devant le peuple hier soir, on va démontrer à la face du monde les réalisations de M. le Président de la République. Ce n'est pas des chimères, c'est des faits. Ce qui se passe en fait, et c'est uniquement la région de Dieppe. Les femmes de Bernon du Sénégal ne peuvent pas, être contenues à la place, à la promenade de Dieppe. C'est simplement une manifestation des femmes de Dieppe, des femmes Bernon de Dieppe. On parle de surprise, on attend... Après nous entendons donc aller dans toutes les autres régions. La première édition c'était Dakar, Thiès c'est la deuxième édition, parce que Thiès c'est la ville du refus, la ville où les gens sont toujours restés debout pour refuser la soumission et pour travailler, aller de l'avant afin que cette région se développe. Vous confirmez, on annonce l'arrivée de la première dame? Ce sera une surprise. Wait and see. Oui, nous pouvons vous le dire sans détour, tout est fin prêt. Nous attendons avec impatience la grande nuit de l'émergence qui se passe à l'écran pour le prochain à la place de France. Donc vous devez sans doute le savoir, la Russie n'est pas venue avec toutes les vice-présidentes de l'événement national en forte délégation pour venir vous donner un coup de main. Donc voir l'état des lieux, faire l'état des lieux avec nous. Donc tout est fin prêt, donc en avant pour le François prochain. On parle de plusieurs millions dépensés, alors qu'il y a des Thiessois qui sont dans la détresse. Que vous répondez par rapport à cette spéculation? C'est une spéculation inutile. Donc rien n'a été dépensé. Donc il y a eu des cotisations, de bonne volonté, qui ont voulu aider le femme de Bernon Bokuyaka, tout en un coup, de toute façon, devait mettre une bâche, entre autres. Donc, mais nous avons toujours lutté pour la fin de la diabétie au Sénégal, la confusion. Nous avons combattu, c'était le régime entier, les régimes entiers qu'il faisait. Mais maintenant, Makina, le président de la République n'a débouché aucun rang pour cette activité. Ce sont les bonnes volontés donc, qui l'ont fait. Donc, voilà. Et les femmes également, les femmes de Bernon Bokuyaka. Comme nous l'avons toujours fait, vous savez que les femmes du Cayor n'ont jamais été en restant, elles ont été à l'avant-garde des combats pour la justice, pour son excellence le président, pour l'avènement de Sénégal. Absolument. Nous avons fait l'homme, nous avons fait l'homme. Nous avons fait l'homme, nous avons fait l'homme. Nous avons fait son excellence, Sinou Erouaï, Sinou Katamel, son excellence le président de la République du Sénégal. Sante aussi sur le président national des femmes, Khamni Louis Djobna. Donc, nous avons remobilisé ces troupes. Nous avons toutes les présidentes de Bernon National, nous avons aussi une équipe pour nous avons une équipe. Nous avons une équipe qui le pilier du développement. Nous avons un aéroport d'Angadia, 35 km, mon autoroute à péage, le président de Mokno Komoudia, qui a trouvé à Djarbir, qui est là. KMS 3 Bangi, qui est là, qui est là, qui électrification rurale, qui est actuellement dans le Néhawane. Comme le ministre d'État a dit tout à l'heure, qui est pour qui est-ce qui est pour qui est-ce 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 qui est-ce